bonsoir à tous, ou bonjour, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment très bien à quelle heure vous nous regardez. Mais ici, nous vous recevons pour une nouvelle émission un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, Gilus s'est transformé en un être protéiforme et étrange. Je vous présente Max, avec lequel nous avons été faire un jeu de rôle à Paris. Le jeu de rôle s'appelle Corpus Genesis, n'est-ce pas, Max? Tout à fait, mais on peut aussi m'appeler Tonton Affignard, tu sais. Ou Tonton Affignard, ouais. Effectivement. Ça marche aussi. Donc voilà, en fait, ici c'est une émission, on n'avait même pas encore trouvé le nom. Hein. On avait pensé aux aventuriers sans risque. Et donc, nous avons été à Paris faire un test d'un nouveau jeu de rôle de notre copine Diane. Jeu qui s'appelle Corpus Genesis. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ben, Corpus Genesis, au fait, c'est un univers entre la science-fiction et l'Uchronie. C'est un univers dans lequel on plonge les gens, en fait, 5000 ans. L'an 5000. Donc, 2500 ans plus tard, votre société humaine a totalement évolué. La vôtre, déjà. Oui. Votre ville, il n'y en a plus qu'une, elle est sous terre. Elle est intermondiale. On y trouve tous les descendants des gens qui ont survécu à un grand cataclysme, à une grande chose qui s'est passée. Au fait, 2500 ans avant cet exode sous terre, il y a eu un truc catastrophique. Et puis exactement, mais bref, il y a un cataclysme qui fait que l'humanité telle qu'on la connaît ne peut plus continuer à exister à la surface de la planète. Et donc, cette cité qui s'appelle Corpus Genesis, hein, tout à fait. Tu me corriges si je dis des bêtises. Non, non, c'est Corpus Genesis, c'est ça. Et se trouve sous terre, et il y a les restes, les reliquats de l'humanité telle que nous l'avons connue, qui essayent d'y vivre, d'y survivre, oui. Et de perpétuer l'humanité telle qu'elle a toujours existé, entre guillemets. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce cataclysme n'est pas dû à une bombe nucléaire, n'est pas dû à une météorite, hein. D'ailleurs, je salue notre ami Thomas Midrez, hein, pour ses trucs sur les dinosaures. Super météorite, mec. Oui. Donc, ne le balance pas à la gueule, merci. Et au fait, c'est l'humain qui est responsable par des manipulations génétiques. Il faut savoir que 2500 avant l'ère où vous jouez, les hommes ont fait des recherches et ont inventé ce qu'ils ont appelé des êtres améliorés. Il y avait des problèmes génétiques, de population. Ils ont commencé à se dire « L'homme n'est pas parfait, il faut qu'on évolue, il faut que ça aille vers quelque chose de mieux. » Ils ont créé ce qu'ils ont appelé les Cléos, qui étaient des êtres avancés. Et ces Cléos, eh bien, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une révolte, dans l'histoire qu'on raconte aux gens, il y a eu un souci. Un petit morceau de la branche d'ADN qui a pété, ça n'a pas été bon. Et il y a eu une guerre, et les gens ont dû quitter la terre ferme pour aller sous terre. Un peu comme les nains, quoi. Mais il y a toujours des... Enfin non, il y a toujours des humains à la surface. Non, il n'y a plus d'humains à la surface. Si, parce mais que... c'est pas vraiment des mais humains. Mais ils ont muté, il y a d'autres créatures en surface qui sont des... Jadis, on aurait pu les appeler des humains, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus vraiment. Il y a entre autres les maraudeurs ou les excavateurs. Les excavateurs, les excavateurs voilà. Qui sont des êtres humains complètement dégénérés, qui marchent plus ou moins... dégénérés. Ils ont évolué. Ils ont évolué pour pouvoir survivre à cette surface du monde qui est totalement polluée et déréglée et dont les autres formes de vie, évidemment, ont aussi changé. Il y a aussi des restes de l'ancien monde qui hantent encore un peu les landes du monde de Corpus Genesis. Tout à fait. Mais, donc ça, c'est un petit peu pour le background, pour le lore du jeu. Il y a encore plein de choses qu'on peut vous dire. D'ailleurs, on a un super site web, www.corpusgenesis.fr, qui va se mettre là ou là. Enfin, vous normalement, là, je me mettrai sur ma bedaine. Là, voilà, plus ou moins. Donc on a fait cette partie de jeu de rôle, de jeu de rôle test à Paris, il y a déjà un petit temps quand même. Et hein. On a des anecdotes à vous raconter. Donc ça a été créé de toutes pièces par Diane et son équipe et ses potes, hein, je pense. Oui. Ce jeu de rôle prend place, je dirais, dans un projet qui est beaucoup plus ambitieux que ça. C'est beaucoup plus ambitieux. Donc au fait, en 2011, Diane avait écrit avec Jérôme Pain le début de Corpus Genesis. Et ça a permis notamment de créer cet univers qu'elle nous a fait découvrir il y a 2 ans, si je me souviens bien, donc c'était en 2014. En fait, elle avait été interviewée par une
un des sites web qui s'occupe du GN en France. Et elle demandait des gens pour l'aider. Donc on a été plusieurs d'un peu partout de la francophonie à lui dire, bah écoute, on veut bien aider. Elle a commencé avec deux Belges, un gars de Montréal, un Suisse. Et aujourd'hui, on est principalement avec des gens de France et encore un Belge. Et je ne sais pas qui c'est. Bon, enfin, il ne se dénoncera pas. C'est le... Mais ce Belge est vraiment mystérieux. Qui est-il? Je ne sais pas. Il répond au nom d'un bizarre Afnierson. Afnierson, oui, ça c'est un nom de super héros martier. Voilà, c'est un gars du sud. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'Afnierson débarque quelque part, mais toi t'es jamais là pour le voir, c'est dingue. C'est dingue, tout à fait. Donc moi je vais faire un petit mot pour Diane Desposito quand même, qui est une... qui est la présidente de l'ASBL Cradvance, qui se destine à créer justement des univers ludiques où vous pourrez notamment découvrir Corpus Genesis, mais également d'autres choses. Elle organise notamment le banquet de Monsieur N, qui est un très bon univers qu'elle a lancé il y a quelques années, et qui fonctionne du tonnerre. Et je pense qu'elle fait partie de ces gens, je crois, qui vont porter quelque chose de plus dans le GN, une direction plus artistique, puisqu'en plus elle a été directeur artistique chez Mazarin. Et je pense qu'elle va nous permettre aussi de dépasser, grâce notamment à ses talents et à ses études, à dépasser le côté un peu que nous avons de temps en temps trop amateur au niveau de la qualité de l'immersion. Il est vrai que c'est génial dans le GN de temps en temps d'être que des amateurs, mais il y a un peu de professionnalisme qui commence à s'installer et qui vient principalement de France et d'Angleterre et d'Allemagne. Et je pense qu'il va aussi arriver maintenant ici en Belgique et qui va permettre aussi d'améliorer la qualité de ce qu'on donne aux joueurs. Cet homme, on l'appelle Monsieur N. Certains disent qu'il a plus de 200 ans et que tous les quarts de siècle, il sort en ville pour choisir des enfants et leur octroyer ses fameux dons. Mais qui connaît la vérité? Qui l'a vraiment rencontré? La semaine dernière, un coursier vous a fait parvenir une étrange invitation vous conviant à un banquet auquel vous y rencontrerez d'autres talentueux, mais surtout que vous y découvrirez l'identité de celui qui vous a octroyé votre talent il y a 25 ans de cela. Sur cette invitation, il est écrit que la véritable raison qui fait de vous un talentueux vous sera révélée pendant la soirée. Elle est signée « L'homme à la main incandescente ». Oserez-vous honorer l'invitation? Mesdames et messieurs, j'annonce le banquet de Monsieur N ouvert. Donc si j'ai bien compris, enfin la suite du projet, c'est donc ces jeux de rôle, ce monde de jeux de rôle dans lequel on peut masteriser des jeux de rôle, c'est une porte ouverte vers quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, puisque courant... Cette année-ci ou peut-être l'année prochaine? Tout à fait, ces vacances-ci, au fait, ils vont lancer la première Murder. Mais excusez la bière, je vais pas l'acheter par terre. Hein. Gélus nous reçoit, on le remercie. Cette année, ils vont commencer la Murder par effectivement placer les gens dans un univers où vous allez découvrir quelque chose d'assez spécial. Vous allez incarner, dans les gens qui vont faire la Murder, deux types de personnages. 6 excavateurs et 6 déviants. Il y a toute une histoire autour de cela. Il y a tout un clan d'excavateurs qui a perdu son leader. Ceux qui ont fui ont été accusés de meurtre. Et donc, ces 6 qui ont fui les massacres et les accusations se retrouvent avec 6 déviants. Alors les déviants, déjà, c'est encore une autre espèce que vous présente ici en Prime. Les déviants, ce sont des gens qui venaient de Corpus Genesis et qui ont des problèmes de drogue, des problèmes de comportement, ou même des robots ou des synthétiques qui ont eu des problèmes par rapport à leur code ou qui arrivent en fin de vie. Un synthétique, déjà, c'est quoi? Un synthétique, dans Corpus Genesis, ce sont les personnes qui ne sont pas des bio, donc ils ne sont pas naturels. C'est bien, un bio. Diane a trouvé des chouettes noms là-dessus. Donc les synthétiques, si vous voulez, eux sont là pour aider les bio, mais ils n'ont qu'une certaine durée de vie. Donc au final, au bout d'un moment, même si on leur offre plein de choses, on les jette. C'est un peu simplifié, mais quand ils se retrouvent chez les déviants, c'est qu'ils ont été jetés et qu'ils ne sont pas morts de mort. Ils ont atteint leur obsolescence. Programmé, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ah, j'ai bien suivi. Tout à fait. Mm-hmm. Tu ferais un bon lobbyiste, je trouve. Ah, merci.
Acheter nos robots. Ils tiennent 15-20 ans et puis après on les jette. Bon, après ils se rebellent. Hein, oui, bah, tu disais Murder tout à l'heure. Puisque ce jeu de rôle ouvre les portes à des Murder Parties. Donc je pense que dans nos émissions, on vous a pas encore parlé des Murder Parties qui sont. J'irai à la limite entre le jeu de rôle et le mini live, on va dire. C'est un mini live entre potes de une après-midi. Et donc, ou une bonne soirée. Ça permet d'un peu faire prendre de l'ampleur au jeu, au monde. Et puis à partir de là, quand les murders seront bien implantés, ça donnera lieu à un jeu de rôle grandeur nature, un GN. Et puis à partir de là, beaucoup plus tard, hein, puisque j'ai vu qu'elle parlait de 2020. Tout à fait, tu as suivi. Je suis content. Faire un mass LARP futuriste. Et alors ça, je dois dire, c'est quand même assez bandant quand on y pense. Faire un putain de gros... Un putain de gros mass LARP avec des milliers de personnes dans un monde futuriste. Ça, c'est génial, mais c'est le but final, évidemment. C'est le but final, et aussi, il faut savoir que Diane a très bien travaillé son monde. Pour la citer, donc, Diane Desposito, si vous cherchez un plus d'informations. Elle a imaginé que cette cité souterraine a eu le temps, en 2500 ans, de construire d'immenses projecteurs de lumière, mais également holographiques, qui permettent, au fait, aux gens de croire qu'ils sont encore à l'air libre, comme aujourd'hui, dans un monde non pollué, sont sous terre et qu'ils ont plein de systèmes qui permettent de garder la chaleur, de faire de l'énergie. Mais donc, ce serait la logique de l'explication. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez en pleine nature? Ben, c'est pas vraiment la nature, ça reste Corpogenesis. Les gens le savent ou c'est... Oui, ou les gens vivent dans une illusion? Les gens le savent. Donc en fait... ça c'est très clair. Ça ne sert à rien de faire de la science-fiction futuriste et l'Uchronie si on ne dit pas le pitch général. Les gens savent qu'ils sont dans une cité intermondiale, qui est la dernière cité de l'humanité, avec les bio notamment, les derniers vrais humains génétiquement non modifiés, qui utilisent des organismes génétiquement modifiés, qui sont les synthés. Et nous on a joué des synthés dans la partie qu'on a fait à Paris. On est des êtres humains qui sont créés pour l'occasion, on va dire. Donc on est plus ou moins sortis de nos cubes. Sorti de nos cubes avec effectivement toutes les informations qui étaient déjà implantées. Voilà, c'est en gros, tiens, j'ai besoin d'un mec pour aller faire telle mission. Hop, paf, on vous sort les CPAY. Et donc voilà, moi j'étais le scientifique de la bande. Si je ne me trompe pas, Diane organise des démonstrations, des masterise des parties de son jeu, si on le lui demande, en francophonie, et on l'aide pour le logement et pour les déplacements. Sur Bruxelles, bon, ça je peux la loger, donc ça c'est toujours pratique. Mais pour le reste de la Belgique, si vous voulez découvrir le monde de Corpogenesis, en cliquant sur le lien sur le t-shirt de Nurgle. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je vous invite notamment à nous le dire, nous le signaler, parce que je crois que ça nous ferait vraiment plaisir de savoir si des gens veulent découvrir cet univers, mais également rentrer en contact avec nous en disant, ben voilà, on veut vous aider, et donc ça nous ferait aussi également plaisir, parce que la science-fiction ou l'Uchronie futuriste est quelque chose qui n'est pas très développé en dehors de la Murder. Il y a quelques gènes qui l'ont fait, qui étaient géniaux, qui ont, comme Adrenaline 24, si je me souviens bien, tu devais même acheter la bouffe. Tes points de compétence, t'acheter ta bouffe, t'acheter ta lampe torche ou ta brosse à dents. C'était un truc de malade. Mais ici, on est dans un autre univers qui est beaucoup plus avec des archétypes de personnages, avec des missions et également tout ce qu'il y a le monde autour. Il y aura un monde de la pègre, il y aura un monde du commerce, il y aura un monde de la politique, il y aura un monde militaire, il y aura un monde encore avec des genres totalement alternatifs. On a composé des trucs qui, à mon avis, vont plaire à beaucoup de gens. Et qui est aussi un travail de longue haleine que beaucoup de gens ont mené ces deux dernières années. Quelque chose qui m'avait frappé, parce que donc, nous on a joué des habitants de Corpus Genesis. Non, faut pas. Non, ok. Prends les choses beaucoup trop c'est que dans Corpus on peut jouer aussi bien des habitants de la cité que jouer des habitants de l'extérieur. On peut jouer des déviants, comme tu disais. Donc, on peut très bien jouer les personnages issus du paradis et les personnages issus de l'enfer. Mais c'est tout à fait la phrase même de Corpogenesis. Je sais, je l'ai relu juste avant. Corpogenesis, c'est de l'enfer du ciel et des ténèbres du paradis. C'est
assez bien décrit ce que c'est. Et alors, même si des gens peuvent être déviants et censés être à l'extérieur de la cité, rien n'empêche que quelqu'un qui est déviant dans certains univers puisse passer pour quelqu'un de totalement normal. Je crois que dans la vie, on connaît tous des gens qui sont des déviants et qui, finalement, ont leur rôle à jouer. Mmh. Ils sont passés par la personne qui est dans la rue totalement fou et en pris de la drogue. Et dans les, tu parles les de moi de... Non, pas encore. Dans les mondes de la jet set, il y a des gens qui vous paraissent totalement dingues et merveilleux et qui sont finalement des déviants, mais on les accepte. Et donc c'est ça aussi qu'on veut donner aux gens, c'est la possibilité de jouer des caractères et des personnages exceptionnels. Mmh. Et donc, c'est un miroir déformant de notre société. C'est un miroir déformant, en fait, on va traiter de plusieurs sujets que cette société future va découvrir, va connaître. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut y faire des parallèles. D'ailleurs, Nurgle, hors caméra, fait souvent des parallèles, ce qui est assez intéressant. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui ont une technologie gouvernementale très, très vers le haut, et d'autres qui ont une technologie qui est l'adaptation au milieu. Okay. On va parler également de la consommation, on va parler de la liberté individuelle, on va parler de l'accès à l'information, on va parler également de la base de la société même, quelles sont ses valeurs, ses éthiques. Corpus Genesis est divisé par exemple en plusieurs quartiers, et chacun de ces quartiers a une éthique et un fonctionnement bien particulier. Mmh. Donc ça va permettre au fait aux joueurs de vraiment pouvoir découvrir différents types de personnages, les incarner, et les meurdeurs ainsi que le GN qui devraient avoir dans quelques années vont servir à ça. C'est vraiment vous permettre de vous immerger et vraiment de tenter le coup, de dire, mais voilà, je veux faire quoi dans cet univers futuriste? Qu'est-ce que je veux jouer? Avec la possibilité, si jamais il arrive un accident, que vous refassiez un personnage. Et donc, en fait, l'aventure que nous avons jouée, ben, je ne peux pas vous la raconter dans les détails, forcément, puisque si ça vous intéresse, vous la jouerez, cette aventure. Donc, simplement dire que les personnages qu'on incarne sont des... J'ai oublié le nom des les clones qui sont créés spécialement pour une mission. Les synthés, voilà. Et donc chaque personnage a son propre rôle, ça a déjà sa personnalité, mais qui est forcément un peu stéréotypée. Et c'est pour faire une mission à l'extérieur, dans le monde extérieur. Et forcément, eh bien, ces synthétiques vont se heurter à la brutalité, à la sauvagerie, je dirais. De la nature, voilà. Qui 2500 ans plus tard, on a voilà. Eu quelques missions d'exploration. Là, en l'an 5000, il commence à vraiment avoir beaucoup d'exploration parce que il y a une envie de savoir ce qui s'est passé là-haut. Et donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que ouais, on s'est vraiment bien marré. Ouais. Je suis mort personnellement. Tu jouais quoi encore toi? Le savant qui essayait d'aller récupérer des échantillons de tout ce qu'il trouvait parce que. Ça m'a d'ailleurs coûté la vie. Hein. Ouais, bah, moi, j'étais le sniper, je devais le couvrir, mais je pense que je suis mort dans la deuxième fournée. Mais il y a eu comme ça une fournée de mort, c'est oui, assez sympathique. Oui, sur la fin, ça a été... Mais on a un peu déconné. Hein. Bah non. On a été la seule équipe qui a mis d'abord le rush avant la pensée. Mm. Ça, il fallait le faire. Non, parce qu'à la toute fin, donc j'ai essayé, j'ai pensé avoir une idée formidable. Tu vois, dans les jeux de rôle, quand tu penses avoir cette idée formidable qui coûte juste la vie à ton personnage. Ah bah c'était ça. Mais bon, toi aussi t'es mort d'ailleurs, si je me trompe. Ouais, parce que j'étais aussi dans l'optique rush. Voilà. Mais bon, on ne peut hélas pas trop vous en parler, on va pas vous gâcher la sortie. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un survivant dans notre équipe. Les échantillons ont été récupérés par le survivant. Donc, dans le fond, on a réussi notre mission. Mmh. Bon, pas très glorieusement, mais en même temps, vu qu'on est quand même des serviteurs jetables de Corpus Genesis, je pense que c'est un plus ou moins un happy ending que nous avons. Tout à fait. Ben, on va vous donner, enfin, je vais vous donner tous les liens qui vont permettre de contacter Diane si vous êtes un organisme génétiquement modifié. Un organisme génétiquement modifié, voilà, un clone de l'univers A, B, C, on les G, là où ça commence déjà à devenir un peu plus mou, donc c'est... Mais si vous êtes un club de jeux de rôle, par exemple, et vous êtes intéressé par Corpus, ben, vous pouvez tout à fait le prendre. Tout à fait, et puis la Murder va bientôt se lancer, donc elle est en train de lancer en France. Mmh. Donc en Belgique, si d'autres personnes veulent se joindre à l'équipe pour nous aider à organiser au moins une ou deux sessions, que ce soit à Bruxelles, à Mons, à Liège, à Antwerp, on est prêt à se bouger juste pour le plaisir de vous faire découvrir cet univers. Évidemment, si vous avez également un local ou si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à un local,
on viendra jusque chez vous pour organiser tout ça. Ce sera avec plaisir. Ben voilà. Donc, pas à pas, le Corpus Genesis prendra du galon et prendra de l'ampleur. Et c'est pour ça aussi que je me disais, parce que c'est en personnel, il faut être un peu terre à terre. Mettez-leur des likes sur leur page Facebook, ça va leur booster le moral, ça va donner un peu plus d'ampleur au phénomène, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à prendre, enfin, il y a du donnant-donnant. On a quand même bien fait le tour. Mais tu as tout à fait raison, on a bien fait le tour, et surtout, on attend aussi un retour des joueurs, puisqu'avant tout, Corpus Genesis, c'est également les joueurs qui vont le faire. Ce n'est pas ici dans une direction, on va dire, à la manière allemande ou anglo-saxonne. Elf, nain, humain, bouclier. Oui, aussi, on pourrait le faire aussi, on ne va pas le faire tout. Mm-hmm. Donc on n'est pas dans cette logique-là, on est plus dans une logique où on veut également que vous créez quelque chose, parce que vous avez de la magie. Donc vous allez créer des costumes, vous allez créer des personnages, et même s'il y a des archétypes, chaque personne est unique. Eh bien, c'est très beau ce que tu dis. Sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et dis au revoir aux gens. À plus chez Potos et les Potasses.